suis vraiment navré. Excusez-moi, je vais... Attendez. Oh, attention! Je suis vraiment navré. J'habite juste en face, là-bas, et j'ai ce qu'il faut. Du savon, de l'eau, vous pourriez nettoyer tout ça chez moi. Non, merci. Je vais récupérer ma voiture, je préfère. Et j'ai aussi un téléphone. Je suis sûr qu'on peut nettoyer tout ça. Et dans 5 minutes, je vous remets sur le trottoir. En tout bien, tout honneur, je veux dire. Bon, très bien. Vous habitez juste en face, mais donnez-moi la distance. Il y a 18 mètres, c'est la maison avec la porte d'entrée bleue. Entrez, voilà, bien. Entrez, c'est moins bien rangé que d'habitude, hélas, mais... La salle de bain se trouve tout en haut. Et le téléphone est juste là-bas. Tenez, on va mettre ça là. Vous tournez et c'est tout en haut de l'escalier. Je peux vous offrir un thé si vous avez le temps? Non. Café? Non. Un jus d'orange? Ah, peut-être pas aujourd'hui. Une boisson fraîche, alors... un coca? Un verre d'eau? Ou bien un de ces sodas infâmes, soi-disant apparentés à de vrais fruits? Non. Quelque chose à manger? Si vous voulez grignoter? Des abricots, au miel. C'est une drôle d'idée, ce truc, parce que ça ressemble plus à des abricots. Le miel masque leur goût. Si c'est du miel qu'on veut acheter, du miel tout seul, on laisse tomber les abricots. Quoi qu'il en soit, ils sont là. Si vous voulez goûter. Non. D'accord. Vous répondez toujours non à tout? Non. Il faut que j'y aille. Merci de votre obligeance. Vous êtes très aimable. Et si je peux me permettre... Divine. Je n'aurai plus l'occasion de vous le dire. Une fois que vous aurez lu cette horreur, je doute que vous reveniez à la librairie. Merci. Ah oui. Je vous en prie. Eh bien, ce fut une rencontre sympathique. Surréaliste, mais sympathique. Pardon. Surréaliste, mais sympathique? Mais qu'est-ce que je dis? Salut. Salut. J'ai oublié de reprendre mon sac. Oh, c'est vrai, oui. Merci. Veuillez m'excuser pour le surréaliste mais sympathique. C'était désastreux. Ce n'est rien, j'ai été moins convaincue par la tirade des abricots.